LK. C'est qui l'orse, bing. Unity, yeah. À chaque fois qu'elle dort son fils, on est là pour les aider. Les BBT sont en orbite, on fait notre mieux pour les sommer. À chaque fois qu'elle dort son fils, nous on est là pour les aider. Les BBT sont en orbite, on fait notre mieux pour les sommer. Hé, ça va? Pas trop stressé? Un peu quand même. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Là on observe. À ce qui paraît, les gens qu'on est censé arrêter, ils sont dans le parc. Il ne reste plus qu'à attendre qu'ils soient prêts à faire une connerie pour intervenir. Mais pourquoi attendre? On ne peut pas s'attaquer à quelqu'un qui n'a rien fait. On deviendrait l'agresseur. Par contre, si la personne ciblée commence à devenir insistante, là on intervient. Tiens, regarde. Je vais intervenir. Hé! Hey, toi là! Hé, hey, attends! À t'accepter. J'ai horreur de ça, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses que tu n'aimes pas. Je sens que le maquillage en fait partie, je me trompe? C'est pas comme si je faisais un truc grave, mais je me sens conne de pas m'y faire avec ces trucs-là. Et tu te sens conne vis-à-vis de qui, Héloïse? Une société qui impose le fait qu'une femme ne se maquille pas et moi désirable? Marie, moi c'est conne. Hey! Bon, ça te dit de prendre un café? Y a moyen d'avoir ton 06? Non. Mais allez. Ça non, ça va pas, non? Hey, t'arrêtes ça tout de suite. Sia. Mais pourquoi tu fais ça? Mais... Oh, elle est dégueulasse ta pièce. Mais pourquoi? Ça reste une valeur de 50 centimes. Oui, mais là on voit vraiment que c'est une pièce de 50 centimes. Ça change quoi? Ça change pas la valeur de la pièce, une valeur de 50 centimes. Non? Si. Je pense que là tu as compris. Oui, patron. Je comprends pas pourquoi tu t'imposes des choses que tu n'aimes pas. Reste telle que tu es. C'est pas le maquillage hein, qui changera ce que tu es, la personne que tu es. Ce sont tes valeurs, ce que tu fais dans la vie. Voilà. Tu as compris? Je suppose que tu vas suivre Lola ce matin. Oui, apparemment il va se passer un truc et les BBT auront besoin de nous à leur côté. Et tu as vraiment confiance en lui? Oui. Je pense vraiment pas qu'il soit derrière cette histoire d'application. Lola nous a expliqué les faits et... Non, vraiment, même si au début leurs actions étaient pour moi un peu ambiguës et vraiment auto-centrées sur leurs égos de mâles protecteurs, j'ai beau réfléchir, je pense vraiment qu'on doit leur prêter main forte. Là, je pense vraiment qu'il va me falloir un café. Pourquoi? Non, laisse, en fait, je viens de me rappeler que j'ai une affaire urgente à gagner. Ok, 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 c'est bon là. Pardon, mais putain. Ah, c'est trop bon. Ok. Allô les mecs? Comment ça se passe de votre côté? Le jugement commence dans 10 minutes, il est toujours pas là. Les choses n'arrivent jamais par hasard. Ah, vous? Oui, moi. Vous êtes l'avocate des mineurs agressés. Ah, vous, quand vous voulez m'attaquer, vous faites vraiment pas semblant. Bon, écoutez, ça va pas tarder à commencer, je vous propose qu'on rentre afin de préparer votre défense. Quoi? Mais vous êtes venu pour me défendre? J'ai beau réfléchir, je pense vraiment qu'on doit leur prêter main forte. Là, je pense vraiment qu'il va me falloir un café. Pourquoi? Non, laisse, en fait, je viens de me rappeler que j'ai une affaire urgente à gagner. Bon, on a nettoyé toute cette partie du parc. Mais comme les victimes ont fait des signalements, on va pas tarder à avoir les flics sur le dos. C'est pas faux. Dis-moi, c'est quoi la suite? Ok, c'est bon. On a l'adresse de Liam, on y va. Ok, mais il est quelle heure en fait? 14h50. Ok, vas-y. Allez, on y va.
C'est pas là où il crèche? Ouais, c'est bien l'adresse qu'Omar m'a donnée. Ouais. Bon ben. On y va? C'est parti. Allez, je suis. Non, 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 toi tu restes ici. T'es sérieux là? T'inquiète pas, reste ici, ton moment viendra. Écoute la radio, ça pourrait peut-être te donner un conseil utile. On va tous faire, les gars. Ça va? Ça va, on peut rentrer? Je suis un peu occupé là. T'inquiète, on sera pas long. Ça te dit pas d'accueillir tes invités avec un peu de boisson là? Et je t'ai pas invité de parler. Ah, bref. C'est quoi ça? Ça te tente de sortir des fois? Le médecin me l'a déconseillé. Pas le médecin t'a déconseillé, pourquoi t'as mal au ventre? Y'a pas de poulet qui traîne dehors bizarrement. Hein? Non, vas-y, rien, laisse. C'est qui ça? C'est poulet! Ok, c'est pas Lola? On la connaît, n'est-ce pas? Bienvenue. Bien sûr. C'est pas celle qui tape les mecs là dans les ruelles. De quoi tu parles? Bah, y'a 2 ans, t'es venu faire un stage chez la BPT. T'as eu une petite altercation avec une femme et ça s'est pas très bien passé, ça te dit quelque chose? Et vu que t'avais du mal à encaisser le coup, donc tu t'es vengé sur elle et sur nous. Vous y allez un peu fort avec vos accusations là, les gars. Bah, y'a pas de soucis. On a qu'à appeler Lola et si elle t'identifie, l'affaire elle est réglée. Bien sûr, ça tombe bien, en plus j'ai son numéro de téléphone. Hey, tu vas rien faire. Hey, mec, je vois personne sortira d'ici là. Personne sortira d'ici. Tu vas faire quoi? T'es tout seul, on est deux et t'as un corps de lâche. Putain, mon gars. Wow, mon vieux. T'en es arrivé là? T'es sérieux? T'es fou à ce point? Personne sortira d'ici. Vous, les BPT, vous prenez vraiment pour les plus malins. On va voir qui va gérer maintenant. Tu sais qu'il y a encore moyen que tu te rendes, hein? Me rendre de quoi? Me rendre de quoi? C'est Carton qui a été incriminé, pas moi. Ok? Vous prenez vraiment pour les rois du monde, bande de merdeux. Alors qu'au final, pour sauver ces putes, elles sont toutes pareilles. Tout pareil! Bien, merci. Je demande maintenant à Maître Dia de me présenter le prochain témoin. Merci, votre honneur. Mec, t'as passé 2 putains d'années avec nous et c'est comme ça que tu réagis? Mec, mais de quoi tu parles? Mais regardez, bordel! Toutes ces femmes-là que vous essayez de sauver, soit elles sont dans des états de merde où on les retrouve avec des tenues provocantes. Et quand t'essayes de t'intéresser, mais. Attends, sois peu à leur médiocrité. Hey, elle t'envoie chier comme une merde. Hey, tu délires. Écoute mec, Liam, tu généralises. Les femmes ne sont pas tout le temps constamment en état de faiblesse. C'est nous qui leur donnons cette image, c'est notre faute à nous. Ce sont que des belles paroles tout ça. Hein? Vous cherchez à nier l'évidence, tout simplement. Regardez mon application, l'application que j'ai créée. Sors dehors, hein? On regarde les femmes qui sont autour, hein? Et tu changeras ta mentalité, mon vieux. Hein? Tu changeras ta mentalité, mon vieux. Tu sais pourquoi? Parce que tu penses encore que les femmes doivent être encore ton inférieur, mec. Et c'est pas comme ça la vie. Canalise-toi, c'est bon. Toutes les mêmes. Oui, toutes les mêmes. Mais tu vois ton application, en plus d'avoir prouvé que t'es dangereux, elle a prouvé que t'es sacrément con. Con? Qui a l'air le plus con là? Vous ou moi? J'ai ça, vous avez rien. T'es sûr? C'est quoi ça? C'est un micro, mec. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu passes en direct à la radio. Bah t'as une application sur ton téléphone de radio. Tu l'ouvres et tu vas tout comprendre. Show must go on. D'application, c'est du challenge. Et bah non, c'était pas Carton. Eh oui, il vous a entupé. C'était Liam. Ah, mais bah là là. Mon témoin n'est nul autre que le coupable, votre honneur. Comment vous avez fait? Vos théories est un peu bancale. Vous allez au-delà de vos risques. Écoutez, d'après vous, pourquoi on a besoin de vous?
On peut pas y arriver seul. Vous avez besoin de nous? Oui, oui. Écoutez, malgré nos différends, vous êtes une femme extraordinaire. Une avocate compétente. Sans votre aide, on pourra jamais arriver à sauver notre boss. Il passe au tribunal demain, et avec toutes les preuves qui l'accablent, on n'a aucune chance. Admettons que j'accepte. Je tiens vous saluer, je ne suis pas faiseur de miracles. Si je n'ai pas un élément concret en faveur de votre ami, il sera condamné. Sur ça, pas de souci. Demain, à 15h pile, vous aurez votre preuve en direct. Vous êtes sûr de votre coup? Aucun souci. Tu pourras dire merci à ton équipe. Ah, mais par là, c'est qui a eu la news? Ah, et bah c'est lui là. Eh oui, elle vous a tous niqué. Maintenant que je t'ai rendu service, c'est quoi cette exclu là que tu voulais me dire? Demain, on trouvera le véritable créateur de ces du challenge. Mais ils font son témoignage passe à la radio à son insu. T'es sûr que ça marchera? Et pourquoi à son insu? Il est suffisamment intelligent pour cacher ses sentiments en public. Ça marchera. Attends, je te file le matos que je donne aux reporters en général qui passent en direct. Tiens, tu penses passer en direct quand? 15h. J'y serai pour 15h. Ouais, ouais, donc je reprends. Il est 15h, mesdames et messieurs. Et oui, nous connaissons enfin le vrai créateur de cette application. Non. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Nous interrompons votre programme pour un flash spécial d'information puisque nous venons d'apprendre à l'instant via nos confrères de la radio confidentielle que Carlton Traoré, la personne incriminée dans le cadre de la Seduce Night, vient d'être innocenté de tout soupçon par le parquet. Donc cette personne qui est également à la tête de l'organisation secrète Beau Black Ténébreux est lavée de tout soupçon. Et pour cause, les membres de BBT, Beau Black Ténébreux, sont actuellement en train de défendre la gente féminine à un événement qui a lieu au Jardin des Artistes. Tout à fait, ils le font d'ailleurs, on nous l'a appris il y a peu, avec l'aide de l'Institut Dioma. Tout à fait, Camille. Ferme-la! Bienvenue, ça va? Putain, forêt, tu vas bien? Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Qu'est-ce que tu as? Dégage! T'es bloqué, enfoiré! Vous pensez vraiment que ça va finir comme ça? Hein? Vous dites que je suis malade? Dans ce cas-là, c'est toute cette société qui l'est. Toute! Toute! Cette inégalité homme-femme, elle ne cessera jamais. Jamais. T'inquiète pas pour cette inégalité, mon pote. Nous trois et les autres BBT. Moi, une BBT? Ouais. Belle blanche ténébreuse, ça le fait, non? T'y crois vraiment en plus? Écoute-moi bien, bienvenue. La prochaine fois que je te croiserai, sache que toute ta famille, un par un, un par un, je vais les égorger, même ta mère. Il est vraiment malade, hein. En fait, il est quelle heure? Il est 15h15 et ton mariage, il est à 15h30. Bienvenue. Hein? Grouille-toi, tu vas être en retard. Ah ouais. Allez! Y va? Ouais. Les réactions sont d'ailleurs nombreuses sur les réseaux sociaux, comme celle de François qui dit avoir retrouvé sa galette grâce à l'aide des éléments. Casse-toi, vas-y! Hey, t'as dit quoi là? Ou encore Patrick, 45 ans, qui aurait aimé être une femme à cette heure-ci. Et Thierry qui nous explique que grâce au BBT, il a pu pécho. Ou encore Laetitia, 14 ans. Putain, ils sont trop chambés, ils sont trop bien foutus les BBT. Bref, des réactions très nombreuses, mais toujours très heureuses et très enjouées à la vue des BBT. Stop, attends.
T'es sûr que t'es prêt? Ouais, t'inquiète pas. Ça va être sûrement ta dernière et la plus importante mission de ta vie. Tu vas gérer? Ouais. Sûr? Sûr. Ok. Allez, fous-moi le camp. Ouais. Vous êtes en retard? Ouais, c'est 5 minutes. Certes, mais bon. C'est coutumier chez vous. Hein? Ah, t'es là, toi? C'est pas si mal, finalement. C'est bon, j'ai compris, c'est bon. Calme-toi. Je vais vous demander de vous lever et de faire un peu de silence. La mariée va rentrer en salle. Comme elle est belle et rayonnante, ça se voit que c'est la plus belle journée de sa vie. Mais tu vas connaître ça bientôt toi aussi, non? Je crois que Jeffrey est intéressé. C'est juste une impression. Il me considère plutôt comme une pote, ce qui est pas plus mal. L'amitié fille-garçon est nettement mieux que l'amour dans beaucoup de situations. Ah bon? Bien, la cérémonie peut commencer. Ouais, enfin, juste avant, j'aimerais dire un petit mot en fait. Ah oui. Putain, mais vas-y, fais vite là, j'ai faim là. T'es sérieux? J'ai faim là, depuis tout à l'heure. Pour moi, vous me dites tout simple. Bienvenue, BBT. Il y a deux ans, j'étais apprenti BBT. Ouais. Mais ça, c'était il y a deux ans. Maintenant, j'ouvre un nouveau chapitre dans ma vie. Mais avant ça, j'aimerais que vous sachiez qui j'étais avant. Avant d'être dans la BBT, j'étais quelqu'un. J'ai pas confiance en moi-même. Je ratais tout ce que j'entreprenais. J'étais timide, maladroit. En bref, tous les défauts qu'un homme essaie de masquer, moi tout ressortait. Un moment, comme ça par hasard, la BBT vient à moi. Je me suis dit, tiens, bienvenue, c'est peut-être la dernière chance pour toi de devenir un homme. Mais bon, malgré ça, c'était cool, hein. C'était cool, on a passé des bons moments, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Mais mission après mission, j'ai posé une question, je me suis dit, bienvenue. Que c'est bien beau la BBT et tout ça, mais plus tard, qu'est-ce que tu veux être? J'avais pas la réponse à ma question dès le départ. Jusqu'à ce jour où j'ai connu Gladys. Gladys. C'était pas simple au début. Hein. Je t'ai menti. S'embrouiller. Même s'il va dire ton frère. Enfin bref. C'était pas simple. Mais dans tout ce qui s'est passé, dans toutes les épreuves qu'on a eues, il y a quelque chose que je me suis dit. Je me suis dit, c'est avec toi que j'ai envie d'avancer. Pas seulement qu'avec la BBT, mais avec toi. Parce que chaque homme a besoin de quelqu'un pour avancer, pour l'épauler. Certains ont uniquement besoin de la BBT, mais moi je n'ai pas uniquement besoin de la BBT. C'est toi que j'ai besoin. Et la BBT compris. Donc, aujourd'hui, devant tout le monde, cette question que je n'ai jamais posée de femme, mais est-ce qu'aujourd'hui tu veux devenir ma BBT? Oui, je veux. Bon, vu ce que le futur mari a déclaré, pas besoin de poser la question. Et voilà, c'est fini. Mais si je devais retenir un truc de ces deux ans, c'est qu'on n'est pas obligé d'être dans une agence pour protéger les gens qu'on aime. Est-ce que tu veux devenir ma BBT? Et toi, bienvenue. Souhaiterais-tu devenir mon BBT? Ou plutôt mon mari? Ouais. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare donc mari et femme. Monsieur, vous embrassez la mariée. Il suffit de croire, de s'estimer, de se respecter mutuellement, que l'on soit un homme ou une femme. Et si t'as compris cela, bien, bienvenue chez les BBT. À chaque fois qu'elles doivent s'enfuir, nous on est là pour les aider.
Les BBT sont un empire. On fait notre mieux pour les sauver. À chaque fois qu'elles doivent s'enfuir, nous on est là pour les aider. Les BBT sont un empire. Eh, hey, l'ambiance est agressive, hein. Laisse-moi tranquille. Oula, t'es tendu là. Bah tiens, j'ai fait une blague. Tu connais l'histoire d'un chat qui s'appelle Po? C'est quoi? Mais chapeau! Pas une lobe, mais à chaque fois on a du nez. Célibataire endurci pour le prestige. Nos conditions sans chercher à être médaillé. Malgré les embûches et les quiproquos, on reste fort, on reste kitoko. Dieu m'a tous les yeux et puis tu comprends que même un diamant peut avoir. Bah qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, attendu, elle a pas écrit ma blague. Vas-y, fais-la moi. Sérieux? Ouais. Bah c'est l'histoire d'un chat qui s'appelle Po. Mon chapeau! On fait notre mieux pour les sauver. À chaque fois qu'elles doivent s'enfuir, nous on est là pour les aider. Les BBT sont un empire. On fait notre mieux pour les sauver. BBT, bébé, BBT. Tes femmes sont belles donc il faut. Les BBT ont valu ton mariage, hein. Félicitations. Ah, si merde, mon vieux. Bon, félicitations. Ben non, ça fait plaisir que ça. En fait, aux yeux de la loi, elle est toujours pas validée. Pour raison. Alors, en effet, pour que le mariage soit validé, il faut qu'il soit consommé. Ah, mais ça, mon gars, c'est fait, mon gars. C'est pourquoi, parce que. La norme et devient la légalité. Tu trouves la bonne, c'est le bonheur qui te guette. Ce sentiment que tu ressens quand enfin cesse ta quête. Vous estimez ce qu'elles sont et bien triste et dommage. Vous méritez qu'on vous rende hommage. Aïe aïe aïe, il est cassé. Bonjour. Présent. Hé, tu sais quoi? Bien vu, ma gueule, bienvenue dans la famille. Pas mal, hein? Bonjour. Bienvenue. Alors mec, comment ça va? Ça va et toi? Ce voyage c'était comment? Bah écoute, c'était pas mal, hein, tu sais. On a pris plein de photos, tout ça. Je te les montre si tu veux. Hein. Pourquoi pas? Mais sinon, cette prise de fonction là, comment ça se passe? Ça va, ça va. Mais bon, en parlant de prise de fonction, il y a une décision que j'ai prise il y a quelques semaines et j'aimerais bien t'en faire part. Bienvenue. Il est temps pour moi, Jeffrey, de t'annoncer que tu ne fais plus partie de l'organisation BBT. Comment ça, la fin de mon contrat chez les BBT, c'est quoi? Tu me vêtes? Tu me gères de l'organisation, c'est ça? Tout à fait. Ta place n'est plus ici. T'as mille fois mieux à faire ailleurs et ça, tu le sais. De quoi tu parles, mec? Je parle de toi. T'as beau être un excellent BBT, tu n'as jamais été à l'aise parmi nous. C'est seulement au moment où t'as rencontré Gladys que t'as commencé à devenir ce nouvel homme. Un homme intègre, courageux et droit. Putain, tu me vêtes. Wow. Écoute, viens, on y va. Mais tu sais, c'est quand même grâce à la BBT que j'ai réussi à être avec Gladys. Non, non, je t'arrête tout de suite, c'est pas grâce à la BBT. Tout ça, tu l'avais en toi depuis le début. C'est vrai qu'on t'a appris quelques trucs. Au final, c'est ta volonté d'être avec Gladys qui t'a permis de devenir l'homme que tu es. C'est légitime pour toi de rester à 100% dans la relation qui te permet d'avoir ce nouveau cadre de vie, tu penses pas? Ouais, c'est pas bête, ouais. Ouais.
Tu sais, c'est plutôt toi que je devrais remercier, en fait. Non, c'est plutôt moi qui vais te remercier. Tu nous as aidé à sauver l'organisation. Tu nous as aidé à sauver Carlton. Tu rends ma sœur heureuse. Et grâce à tes actions, finalement, tu m'as donné des idées pour de nouvelles perspectives d'avenir. C'est tout bénef pour nous. Bon, à bientôt, beau frère. Eh mec, évite de m'appeler comme ça, s'il te plaît. T'inquiète pas, moi aussi, ça me fait mal. Hein. Tu m'étonnes. Sinon, c'est comment, là? Je vois qu'il y a du changement, là. Ouais, en effet. J'ai décidé qu'on lance un partenariat avec l'Institut Dioma. Donc, on va fusionner. Forcément, il faut s'agrandir. Tu sais, hein, elles nous ont beaucoup aidé la dernière fois. Et puis, j'aime beaucoup leur approche du terrain. Peut-être qu'elles vont nous permettre de enfin pouvoir réussir la mission telle qu'on devrait le faire. Ah bon? Et tu penses que Lola, ça fera un bon BBT? Ah ouais, ça fout un peu le bordel, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Wesh. C'est parti où, lui? Meuf. Et toute sa vie, lui, c'est disparaître, mais c'est un truc de dingue. Merci la bébé.